Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui n'était pas prévue et que je ne sais pas d'ailleurs si je publierai ou non sur ma chaîne. J'ai ressenti depuis 2 jours de nouveau des impressions concernant l'affaire de Lina et celle d'Emile également. Alors les deux ressentis sont très différents. Pour Lina, je vais essayer de faire un tirage aujourd'hui avec ce jeu. Parce que j'ai l'impression que les choses ne se sont pas du tout passées comme on nous l'a présenté. Et que vraiment, il y a eu pour moi quelque chose qui a commencé avant cette disparition. Et ça me revient très souvent, je ne sais pas tellement quoi faire de cette information. Mais c'est une information qui ne me quitte pas et qui m'est soufflée régulièrement. Donc pour moi, il y aurait vraiment eu quelque chose qui serait intervenu avant la disparition de Lina. Et qui aurait impacté eh bien, son présent là aujourd'hui et sa disparition. Donc moi j'avais fortement effectivement le côté sentimental qui pouvait ressortir. Maintenant on parle d'une adolescente de 15 ans, alors est-ce qu'il y aurait une tierce personne qui serait à inclure dans l'environnement de Lina, je ne sais pas. On va essayer d'y voir plus clair, je vais essayer d'approfondir un peu mes premiers ressentis. Je suis désolée comme tous les jours hein, du bruit qu'il y a autour de moi. Malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Et comme vous le savez, c'est les voisins et leurs enfants qui ne peuvent pas, qui n'arrivent pas à faire taire. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, évidemment. Si jamais je publie cette vidéo, ça me fait un petit peu bizarre. Là, j'ai moins l'impression d'être en connexion avec vous parce que vraiment, j'ai des scrupules à publier des vidéos sur ces sujets qui sont déjà un peu partout sur les réseaux. Et en même temps, c'est vrai que malheureusement, quand ça revient comme ça pour moi, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas approfondi. Et peut-être même des choses qui sont en train d'évoluer actuellement, dont nous n'aurions pas connaissance précisément. On verra dans les jours à venir, mais j'ai un ressenti vraiment particulier qui a du mal à me quitter. Et j'ai vraiment quand même cette chose en tête qui me rappelle pour moi vraiment une présence féminine. L'aide d'une femme, une femme qui est au courant de quelque chose. Ça revient régulièrement à moi et dans tous les tirages, de toute façon, elle est présente. Vous avez pu le voir au fur et à mesure de mes anciennes vidéos. Si vous ne les avez pas vues, eh bien, n'hésitez pas, elles sont disponibles sur ma chaîne. Je vais compléter encore un petit peu le tirage pour avoir un maximum de précision. Cette carte, elle va venir. Je t'ai vu. Elle aussi. Oui, là, il y a des places des meubles, visiblement. Quand c'est pas l'enfant qui hurle, c'est les parents qui font du bruit. C'est insupportable. Mais il faut savoir faire avec. Et comme je le dis souvent, bah, ça commence très tôt le matin et ça ne s'arrête pas avant 2-3 heures du matin. Donc bah, moi qui ai un sommeil un peu en dents de scie, vous comprendrez que ce n'est pas toujours aisé. Alors, on va regarder les informations de ce jeu. La fille sincère qui arrive. Donc vous voyez, il y a quand même toujours cette notion de féminité. Mais là, on peut considérer peut-être que c'est Lina. Nom d'un chien, la grossesse. La protection. La duperie. Le litige. L'amour. Bon, le revers, la réception,
l'arrivée, l'amant ou l'amante, les domestiques et la faillite. Bien. Alors, je trouve ces cartes relativement parlantes et je suis étonnée un petit peu par ce que ces messages signifient. On commence avec cette fille sincère, le 8 de coupe. Ici, c'est une carte qui nous parle plutôt normalement de sentiments et d'amour. Donc, c'est représenté également par une jeune fille blonde. Donc là, on est sur potentiellement quand même bien Lina. Donc, cette jeune fille blonde qui est vraiment pleine de qualités et qui génère énormément de joie autour d'elle. Donc là, on parle bien de la bonne jeune fille et on le précise et c'est super. Avec la carte qui s'ensuit, la carte de la grossesse, celle de l'as d'épée renversée, eh bien, il est possible ici que Lina ait été enceinte ou ait eu en tout cas l'envie de pouvoir commencer de nouveaux projets puisque la grossesse, c'est aussi le moment de la gestation des choses. Donc, est-ce que Lina était à ce moment-là, effectivement, avec son nouveau choix d'études, ses nouveaux projets sentimentaux, à une époque un peu de maturation, comme ça, de projets? Et c'est possible, hein, peut-être qu'on n'est pas au courant de tout, mais ici, en tout cas, on peut nous parler effectivement d'une grossesse dans le premier sens du terme. Ça, je ne sais pas. C'est vrai que ça peut aussi être un motif pour disparaître. Elle aurait pu, par exemple, vouloir aller se faire avorter quelque part si son terme légal en France s'était dépassé, par exemple. Mais je pense que Fanny, qui est infirmière, s'en serait rendue compte. Alors peut-être qu'elle a su quelque chose comme ça et qu'elle l'a gardé pour elle. Mais ici, pour moi, on est plus dans la maturation d'un projet et ses nouveaux choix. Tout ce qui était en train de se mettre en place pour elle, autour d'elle, dans cette nouvelle vie et ses nouveaux projets. Après, j'ai la carte du serpent qui arrive avec la carte de la protection. Et cette carte, c'est vraiment une carte qui... Comment dire ? Dans ce sens-là, en sens renversé, c'est une carte qui apporte un appui. Donc, en fait, ici, par rapport à la situation précédente, puisqu'il faut avec cette carte vraiment s'appuyer sur ce qui l'entoure, eh bien ici, il semblerait que Lina ait bénéficié de conseils, elle ait bénéficié de soutien par rapport soit à la maturation de ce projet, soit à la protection éventuellement de ce secret lié à une potentielle grossesse. Moi, je pense plutôt que c'est quelqu'un qui arrivait à avancer dans la vie malgré les difficultés. Hein, je sens que c'est une jeune femme qui a quand même déjà un vécu pour son jeune âge, mais une personne qui, malgré tout, avait ce petit côté, alors excusez-moi de parler au passé, a ce petit côté protection autour d'elle. Dans le sens, alors oui, évidemment, quand on voit ce qui lui est arrivé et qu'elle a disparu, on peut douter de cette protection, mais il y a quand même autour d'elle une personne qui veille. Je sens comme un ange gardien au-dessus d'elle. Alors, il est possible que Lina ait perdu un frère ou une sœur ou un cousin ou une cousine. Pour moi, il y a quelqu'un d'assez jeune qui est vers elle. En tout cas, voilà, derrière, j'ai la carte de la duperie avec le 9 de sequin, là, qui est retourné. Donc, on nous parle d'une escroquerie. Et je pense qu'ici, on s'est servi de tous ses projets. On lui a fait croire qu'elle était protégée, qu'elle était bien entourée, peut-être aussi, pour mieux abuser d'elle. Donc, effectivement, Lina connaît la personne avec qui elle est partie. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je ne peux pas préciser pour l'instant de quelle personne il s'agit, bien sûr. Mais pour moi, il n'y a vraiment pas de doute. Cette personne connaît Lina et elle s'est sentie à l'abri des dangers en montant avec elle. Malheureusement, cette personne ne s'est pas montrée sous son vrai jour et ici a essayé de l'escroquer, de lui prendre quelque chose. En tout cas, il y a eu un gros problème dès qu'elle l'a rencontrée. Puisque dès qu'elle est rentrée en contact avec cette personne, pour moi en tout cas, eh bien, tout de suite, il y a eu un problème. Et ce problème-là a été avec une personne qui est sans doute plus âgée qu'elle. Alors effectivement, si on considère qu'il y a une voiture, c'est quelqu'un probablement qui a au moins 18 ans et qui conduit. Ici, pour moi, vraiment, on nous le confirme, c'est une personne avec qui le problème a eu lieu quasiment tout de suite quand elle est rentrée dans le véhicule et qui est plus âgée qu'elle, qui a une certaine influence sur elle, une certaine assise par rapport à elle. C'est quelqu'un qu'elle a
en respect, on va dire, qu'elle craint. Et pour elle, c'est un peu comme si c'était, je ne vais pas dire un supérieur hiérarchique, hein, mais oui, quelqu'un qu'elle pense supérieur à elle. On est après tout de suite rattaché à la carte de l'amour, avec cette carte qui est arrivée à l'endroit et qui dit qu'elle attire beaucoup autour d'elle de sympathie, d'amour et de désir. C'est à cause de ça qu'il y a eu un litige. C'est par rapport à cette belle jeune femme qui attire autour d'elle des convoitises. Et malheureusement, cela a déclenché ici le litige. Je vous dis ce que les cartes me montrent aujourd'hui. Là, j'ai le 4 de coupe qui arrive renversé et on nous parle vraiment d'une perte de fortune ici, hein. La situation n'était plus contrôlable. Elle était hors de contrôle et du coup, eh bien, Lina n'a pas pu intervenir sur quoi que ce soit. C'est des ennuis qui sont causés plutôt par l'entourage, hein, qui sont indiqués ici. Et cette carte indique vraiment une perte de contrôle et un revers de fortune pour Lina. Donc, suite à cette dispute-là, malheureusement, les choses ont vraiment dégénéré. Après, j'ai l'as, oui, l'as de coupe. Et là, cette carte qui nous dit que, eh bien, normalement, c'est une réception qui se, là, vous voyez, c'est le mot réception, qui se passe bien, qui a du succès, qui attire. Eh bien, en fait, pour moi, on parle d'influence. C'est quelqu'un qui a une influence autour de Lina. C'est quelqu'un qui représente plutôt une influence adulte par rapport à elle. Quelqu'un qui pourrait être la personne ici qui la reçoit. Donc, ben, je vous laisse faire l'analyse de qui devait la recevoir, quoi. Décidément, les choses reviennent à lui, même quand j'essaye de faire autrement. Et là, du coup, j'ai la carte de l'arrivée qui s'ensuit avec le cavalier romain. Ce cavalier romain qui dit qu'on devait, en tout cas, annoncer ici la venue espérée d'une personne. Donc, c'est vraiment ce voyage en direction de Strasbourg qui était annoncé ici et c'était un bon événement pour elle. C'était quelque chose qu'elle voyait comme une bonne journée, quoi. Elle avait envie de s'y rendre. Ici, elle avait l'impression qu'on lui rendait un petit peu justice par rapport à l'investissement qu'elle avait dans son couple. Donc, cette intention, eh bien, était quelque chose qui lui a fait plaisir. C'est quelque chose qui lui a permis de se déplacer. Et je rejoins un petit peu ici avec la carte de la réception, puisqu'on peut aussi parler de cette fameuse réception. Donc, oui, ce jeune homme l'avait invitée à passer une journée que pour elle, c'est-à-dire manger au restaurant et faire les magasins avec lui. Donc, du coup, on peut penser aussi que cette journée aurait pu être une journée à succès et que c'était bien ce qui motivait son déplacement. Mais ici, on voit qu'il y a quand même l'intervention d'une tierce personne avec la carte de l'amant et de la maîtresse, hein, ou de l'amante, comme vous voulez. Et cette carte ici nous parle de trahison. Et cette trahison qui a lieu au moment, ici, de cette arrivée. Donc cette trahison, pardon, j'en perds ma voix, hein, c'est désagréable. Donc l'amant et l'amante, c'est la trahison et c'est aussi peut-être quand même une relation extra-conjugale qui est évoquée et une relation qui est cachée. Donc il se peut que... Alors, je reprends les indications ici. Pour moi, Lina est donc une jeune femme pleine de projets, une jeune femme qui avait beaucoup de qualités et qui était vraiment perçue comme, pour beaucoup de monde en tout cas, comme très solaire. C'est quelqu'un qui s'est fait duper en fait, qui pensait ne pas pouvoir se faire avoir, mais qui s'est fait avoir. Et tout de suite, au moment où cette personne est intervenue auprès d'elle, il y a eu un combat, un litige au sujet des sentiments. Ici, il y a eu un revers de situation par rapport à une invitation, à une réception, à quelque chose qui devait bien se passer. Donc, il y a eu un revers de situation par rapport à cette invitation. Avec la carte qui est désignée comme celle de l'arrivée, on a vu que c'était une carte qui était un peu ambivalente aussi, puisque celle-ci nous parle d'ouvrir l'accès aux honneurs et également la venue espérée d'une personne. Donc, de nouveau, je pense ici à ce rendez-vous qui était prévu pour Lina. Et là, on est sur comme s'il y avait la coupure, comme s'il y avait la disparition qui s'instaurait ici.
avec la carte de l'amant et de l'amante qui nous parle plus de une tierce personne qui a pu s'instaurer, une personne qu'elle connaissait, en tout cas quelqu'un qu'elle avait déjà fréquenté. Et là, la carte est à l'endroit, donc on nous parle plutôt d'une belle relation, quelqu'un en qui elle avait confiance. Donc je ne sais pas si elle avait des ex par exemple, ou si ça peut être un ami plus âgé. Pourquoi pas Tao lui-même, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un en qui elle a vraiment confiance. Et je confirme les dires de Fanny, elle n'est pas montée avec un inconnu en voiture. Mais cette personne s'est vraiment disputée fort avec elle. Et ici, c'est représenté de nouveau avec ce 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est vraiment pour rabaisser l'autre, le mettre en tant que subalterne, le faire obéir. Donc là, on voit que l'arrivée de cette tierce personne était pour obliger Lina, la forcer à faire quelque chose. Et cette carte ici représente aussi dans cette signification des disputes vraiment liées à l'intérêt personnel. Donc je pense ici qu'on a pu vouloir tirer un bénéfice de Lina. Je suis désolée pour ce que je suis en train de dire, c'est vraiment terrible. Mais c'est quelqu'un peut-être qui a voulu l'escroquer ou profiter d'elle en abusant de sa confiance, puisque c'est quelqu'un qui la connaît et qui savait qu'elle le montrait avec lui. Par contre, là où j'ai du mal dans la chronologie des faits, c'est que ce déplacement n'était pas prévu. Donc je ne vois pas comment cette personne aurait pu trouver Lina ici par hasard, et que ce soit vraiment le hasard le plus complet. En tout cas, ici, on ne parle pas de la circonstance. On nous dit bien que c'était sur la route et qu'il s'agit d'une tierce personne qui est arrivée et qui avait des intentions plus que nuisibles et qui ne pensait qu'à son propre intérêt ici, à profiter et à dresser, à domestiquer Lina. Ensuite, j'ai la carte de la faillite. Et cette carte n'est pas une belle carte, comme vous vous en doutez, puisqu'on nous dit qu'il faut liquider ici. La faillite, c'est vraiment... Il faut liquider tout son business avant que les choses ne coulent. Et je pense que cette personne a une notion d'argent ici. Ah zut, ouais, cette carte, vraiment, pour moi, c'est une carte qui n'est vraiment pas bonne et qui donne naissance à des échecs sur des projets. Alors, comment je vais pouvoir formuler ça? Pour moi, cette carte de faillite dit ici qu'il aurait fallu qu'elle se débarrasse de cette personne bien avant, parce que Lina la connaît. Alors là, je suis très étonnée. Je vais replier le jeu et je vais regarder avec un autre tirage. Toujours sur les faits, on va rester sur les faits. J'ai envie de changer de jeu et en même temps, je trouve que celui-là, il est quand même très, très, très efficace. Après, je ferai peut-être un tarot de la lumière pour voir. Ah là, franchement, j'ai des ressentis qui sont... Après, c'est vrai que la notion d'argent est toujours ressortie dans l'ensemble des tirages. Et que quand on voit le petit ami, ben on pense à celui qui nous est montré, hein, à l'officiel, j'ai envie de vous dire. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui aurait pu se penser être proche de Lina, qui aurait pu avoir une relation amicale très forte avec elle et qui se considérait plus qu'un ami pour elle? Est-ce que cette personne-là pourrait, par exemple, avoir su, ben, peut-être en écrivant quotidiennement à Lina, ben, tiens... aujourd'hui, je vais voir Tao, je vais à Strasbourg. Ça serait étonnant puisque je pense que la police a quand même bien étudié beaucoup de pistes. Mais c'est vrai que le téléphone de Lina ayant disparu, je pense qu'il est fort intéressant pour la personne ou les personnes qui ont commis cet enlèvement, en fait, de faire disparaître toute trace du téléphone de Lina. C'est évidemment la meilleure chose à faire. Dans la mesure où ils savent très bien aujourd'hui, parce que tous les médias le disent, toutes les séries télé le montrent, un téléphone, eh bien, il n'y a rien de pire hein, quand on veut commettre un crime. Eh bien, si on emmène son téléphone avec soi, on a quand même quasiment toutes les chances de finir par se faire avoir.
Et voilà, donc forcément l'idée de se débarrasser rapidement du téléphone de sa victime, eh bien, est une idée très judicieuse si on veut commettre un méfait. Et c'est vrai que j'ai regardé un peu, je crois que le mode avion, ça ne fonctionne pas. Donc soit le téléphone aurait été complètement détruit, soit la puce aurait été extraite, mais ça me paraît très court comme délai. On sait que Tao a donc reçu une vidéo de Lina à 11h20 et que le téléphone a cessé de borner à partir de 11h22 et qu'il a été désactivé visiblement sur les lieux où les recherches ont commencé, donc au milieu des bois. Là, j'ai vu que c'est dommage. Visiblement, la police était à deux doigts d'obtenir des vidéosurveillances, mais la demande a été faite avec quelques heures de retard et du coup, celles-ci ont été supprimées. Et il semblerait aussi que l'un des particuliers qui avait des caméras chez lui, bien, il y ait eu une suppression d'une partie, au moins, des fichiers. Donc, ils rendent les données partiellement inexploitables pour le jour de la disparition. Donc vous voyez, malgré l'implication de la police, les premières investigations qui ont été faites, mais tellement rapidement, et ça c'est génial quoi, quand on voit ça, ça fait chaud au cœur pour les familles des personnes disparues. Et ça montre aussi une autre face des forces de l'ordre, celle que parfois on entend décrier dans des affaires criminelles parce qu'ils ont estimé que c'était trop tôt pour lancer des recherches. Et bien là, c'est pas le cas. Les choses ont vraiment été prises à bras le corps, comme on dit. Et ils ont vraiment fait un travail titanesque dès le départ. Oh mince. Bon, alors ici, on commence avec le deuil, malheureusement. Hein, cette carte qui ne me surprend pas vraiment non plus. J'aimerais pouvoir vous dire autre chose, mais j'ai très peu d'énergie sur Lina. En tout cas, la dernière fois que je me suis vraiment penchée sur la question, je la captais pas du tout. Et depuis, je n'ai pas retenté. Par respect et puis aussi parce que c'est très fatigant pour moi de faire ça. Donc pour moi, il n'y avait plus du tout d'énergie. Et là, donc on nous parle du deuil et avec cette carte, eh bien, il faut faire attention. Il va falloir accepter de faire le deuil de ses espoirs ici. Alors c'est un tirage, je rappelle que ça ne vaut que ce que ça vaut. Hein. Là, il y a des ennuis qui apparaissent. Alors la carte des ennuis, c'est une carte qui ici prend tout son sens puisqu'on est à la suite du deuil. Et ici, c'est une carte qui est représentée par le 4 de coupe et qui parle de relations épisodiques qui a causé le deuil. Donc vous voyez bien, pour moi vraiment, ce qui a causé la perte de Lina, c'est une relation épisodique, quelque chose d'épisodique. Là, nous avons la carte qui correspond à la carte de l'attente. Et cette carte qui veut dire, avec le 6 de bâton retourné, que ici, eh bien, le travail est harassant, vraiment trop lourd pour la personne. Et cette carte d'attente, c'est une carte qui est attribuée aussi à la domestication des gens. On revient un peu sur le tirage précédent, la carte qui était là. Et on nous parle de nouveau ici de cette personne qui a été domestiquée, qui a été un peu manipulée. Donc attention, hein, il y a quand même, je pense, une personne toxique autour. Hein. L'inconduite. Donc on reste sur cette carte d'attente de 6 de bâton qui nous dit que les choses étaient vraiment, le travail était harassant à faire et qu'il a fallu du temps et que malheureusement cette personne s'est très mal conduite envers Lina. Ici, la carte de l'inconduite, eh bien, malheureusement, ça m'attriste quand même de faire ce tirage, mais je pense que je le publierai, non pas par provocation, mais parce que je pense vraiment qu'ici, on a des informations très précises aujourd'hui que j'aimerais pouvoir porter à la connaissance du plus grand nombre. Et si d'autres chaînes YouTube passent par là, voir si ça peut vous correspondre aussi à vos tirages, c'est toujours intéressant. Pour moi, aujourd'hui, j'ai des vraies précisions et je suis contente de me détacher du jeu de haut pour Lina parce que c'est une autre façon de percevoir aussi et d'interpréter également. Donc, je reviens au tirage avec l'inconduite. Et ici, c'est les peines de cœur. C'est pour ça que je vous dis vraiment, pour moi, on est dans une situation avec une relation sentimentale qui s'est mal terminée. Hein.
travail courant. Alors, comme je vous le disais, j'ai cette sensation vraiment récurrente que les choses ont commencé avant la disparition de Lina et qu'elle savait qu'il y avait des choses pas très claires autour d'elle. J'avais eu aussi le sentiment qu'ils s'étaient disputés la veille entre Tao et Lina, qu'il y avait eu une dispute suite à des messages. Pour moi, Tao a vu des choses dans le téléphone de Lina qui ne lui ont pas plu. Je pense que s'il est reparti sur Strasbourg, c'est peut-être aussi motivé par une certaine dispute. Moi, je vois dans l'attitude de Tao effectivement peut-être de la gêne, quelque chose que beaucoup de gens ont perçu comme étant louche. Maintenant, j'aimerais arriver à dissocier ce qui est louche de ce qui est incrimine, parce que bien entendu, il n'est même pas d'ailleurs spécialement considéré par la police comme suspect, et c'est très important de le préciser. Moi, je pense qu'à 19 ans, on peut aussi être très mal à l'aise face aux caméras. Et surtout, si on a conscience de s'être disputé la veille avec sa petite amie, eh bien, on n'ose pas forcément tout simplement le dire parce qu'on a peur des répercussions. Donc, attention aussi aux accusations lourdes. Moi, j'ai trouvé leur attitude choquante, ben, percutante, on va dire. Mais ça m'a choqué aussi, c'est vrai, sur le coup. Maintenant, je me dis, avec du recul, il faut savoir. Regardez, j'ai pris beaucoup de notes, hein. J'ai écouté et réécouté leurs prises de parole, j'ai regardé, j'ai beaucoup analysé aussi leur langage corporel, même si je n'ai aucun diplôme là-dedans. Et j'avoue que eh bien, certains gestes peuvent paraître très familiers entre Fanny et Tao, mais j'ai envie de vous dire, les jeunes aujourd'hui sont très tactiles. Le hug, c'est quelque chose que tout le monde a l'air de maîtriser. Des je t'aime et des ma chérie et des cœurs partout, ben, c'est la façon de communiquer aussi beaucoup sur les réseaux. Et je pense aussi que bien, il y a un certain état de choc concernant peut-être notamment la maman de Lina, qui fait que la réaction qu'elle a, même si elle peut paraître étrange, et que évidemment j'ai noté comme pour beaucoup qu'elle parle extrêmement énormément d'elle plus que de sa fille. Et le côté très bizarre qu'au moment de la conférence de presse, effectivement, ce soit une photo de Lina bébé qui soit affichée. Normalement, bon, bah, c'est vrai qu'en toute logique, on met un portrait récent de son enfant. Le fait qu'elle ne demande pas forcément à des potentiels ravisseurs d'échanger sa fille contre de l'argent. Enfin, c'est vrai que la plupart des parents, peut-être, selon le commun des mortels, et encore, on n'est pas à sa place, peut-être auraient essayé de dire, rendez-moi ma fille, s'il vous plaît, moi je vous donne n'importe quoi, mais rendez-la moi. Ça n'a pas été le cas. Moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est que la première intervention, surtout, elle disait, je ne lâcherai jamais rien. C'était un discours comme si elle la cherchait déjà depuis plus longtemps. C'était surtout ça. Là, je m'égare un peu, excusez-moi. Donc, je retourne à cette carte de, excusez-moi, d'inconduite. Et ici, on nous dit vraiment que c'est lié à une peine de cœur. Voilà. Donc, cette peine de cœur. Et puis derrière, on a le 3 de coupe renversé. Et on nous parle du dénouement. Donc cette carte est vraiment très heureuse pour moi. Alors ici, normalement, le dénouement se passe pas trop mal. Si on en croit cette carte, en général, c'est le dénouement plutôt heureux d'une certaine affaire. Donc moi, je ne pense absolument pas ressentir que l'affaire puisse se terminer positivement. Mais on va rester dans ce que les cartes nous indiquent ici, et c'est ce qu'elles semblent indiquer, en tout cas qu'il va y avoir un dénouement prochain. Alors, on va voir la tendance de ce dénouement. Le jeu de hasard. Ah, les jeux de hasard. Donc, il se peut qu'une découverte soit faite je sais pas, moi, au détour d'une promenade, peut-être, ou dans un autre département, parce que je ne vous cache pas que pour moi, Lina n'est pas du tout basée aujourd'hui. Son corps n'est pas du tout là où elle a disparu. Pour moi, elle n'est pas physiquement là où toutes les recherches ont eu lieu. Et du coup, le 10 d'écu ici, dans ce sens-là, en tout cas, parle d'un hasard favorable. Et du coup, ben, ça peut compléter ici le travail courant. Donc il se peut qu'en fait, on ait des nouvelles, mais complètement de manière fortuite, qui n'aurait pas forcément un lien vraiment avec l'enquête. Alors peut-être, hein, je le souhaite de tout cœur et que je me trompe, et ça serait très bien si Lina pouvait être en vie et qu'une caméra de surveillance pouvait la filmer quelque part ou quelque chose dans ce genre, ou peut-être malheureusement retrouver sa dépouille dans une autre région et ou peut-être même dans un autre pays qui n'aurait pas entendu forcément parler de cette disparition et qui bataillerait à retrouver l'identité de cette jeune femme, je ne sais pas.
En tout cas, c'est déjà quelques renseignements, on va voir la suite. Là, nous avons la manière d'être, le behavior, avec l'idéal. Je les regarde ensemble, ces cartes, parce que la carte de la manière d'être ne me suffit pas à elle-même pour donner une vraie interprétation, parce qu'en fait, elle me parle d'un piège qui est à éviter à tout prix. Donc le piège est relié ici à la carte précédente. Donc attention quand même ici, donc on est face à un jeu de hasard. Hein. Il ne faut pas non plus forcément cesser les recherches, parce que finalement, peut-être que ces recherches qu'on imagine se dire bah non, on ne va pas les faire à tel endroit parce que ça paraît trop loin, eh bien le hasard fait que c'est bien à cet endroit. Hein. Donc ne pas laisser tomber, hein, continuer de faire des recherches terrain pour les gens qui sont dans la région, si vous avez du temps. Ne pas hésiter à effectuer des battues, à élargir le cercle et puis à surtout communiquer avec l'Allemagne, donner des portraits de cette jeune femme, si vous avez des amis en Allemagne par exemple. N'hésitez pas, on ne sait jamais. Bon, donc ici après, cette manière d'être qui nous annonce, elle, eh bien, comme je vous le disais, en réalité des pièges qui sont à éviter à tout prix, eh bien, on a le chaos qui s'ensuit. Et ici, les pièges étaient vraiment à éviter parce que c'est tout ce qui intéressait. En fait, c'est les personnes où, là où les personnes qui sont intervenues pour moi connaissent Lina, effectivement, et se sont servies de sa bonté, de sa gentillesse à son encontre. Et ici, c'est à cause de cette manière d'être si gentille, si douce et si agréable que les choses ont tourné dans le mauvais sens. Et en tournant dans le mauvais sens, malheureusement, eh bien, elle est tombée dans un certain piège. Donc, ils l'ont eue par la confiance qu'elle faisait, et c'est pour ça qu'elle est montée dans ce véhicule et qu'elle est tombée dans ce piège. La carte de l'avenir, vicieux. Donc, l'avenir, ici, cette carte parle des choses qui sont en cours et qui sont présentes à corriger, en fait, dans le passé pour pouvoir évoluer dans l'avenir. Donc Lina connaît cette personne, c'est une personne qui fait partie de son passé. C'est quelqu'un qu'elle a estimé dans le passé et qui en réalité est une personne vicieuse. C'est pas facile, hein, je vous le cache pas. Ici, du coup, eh bien, on est face à un individu qui va se montrer sans scrupules. C'est un homme plus âgé que Lina, effectivement. Une personne qui a déjà des plans en tête, et c'est pour ça que c'est si difficile, je pense, aujourd'hui de retracer les choses, c'est que cette personne avait déjà ce projet en tête depuis quelque temps, et peut-être qu'on lui a donné un feu vert pour réaliser cela. En tout cas, ici, c'est un sultan d'Égypte. Est-ce que ça pourrait nous indiquer une origine, éventuellement aussi d'une personne qui serait plutôt originaire d'un pays du Moyen-Orient? Je ne sais pas. En tout cas, nous avons ici ce sultan qui n'est vraiment pas un personnage agréable à fréquenter. Et c'est quelqu'un qui va chercher à l'entraîner, qui a cherché à entraîner Lina dans un certain dérèglement. C'est quelqu'un qui lui a fait des propositions malhonnêtes. Réjouissance, le retard et le législateur. Waouh! Ok, donc on saura, hein, on va finir par savoir. Et tant mieux d'ailleurs parce que tout le monde, je pense, mérite d'avoir eh bien, une certaine forme d'hommage et de pouvoir au moins savoir ce qui est arrivé ou ce qui arrive actuellement à cette jeune femme. C'est aussi une façon de lui rendre hommage. Celui de bâton ici dit qu'elle est... Alors pour moi, on peut nous parler ici vraiment de rencontres, de voyages, d'amour, de promenades, de choses plutôt positives, normalement, hein, et qui se sont soldées ici par malheureusement des choses qui n'ont pas eu lieu et qui étaient fallacieuses. On lui a menti. Donc cette personne vicieuse a utilisé le prétexte d'une balade, d'un truc un peu romantique et sympa. Donc, je ne sais pas, mais on rejoint encore la proposition de Strasbourg qui lui a été faite. Hein. Donc là, c'est des réjouissances, c'est quelque chose qui lui a été proposé par cet homme vicieux et qui a impacté tout le reste. Malheureusement, ici, la chance a cessé de sourire à Lina.
Et la satisfaction de sa journée a été de courte durée, puisqu'en réalité, eh bien, elle a tout de suite, au moment où elle a passé le cap de monter dans ce véhicule, pour moi vraiment, eh bien, elle a été dans une situation problématique. Là, vous voyez, on a le législateur, l'homme de loi. Alors, c'est le besoin, en fait, de soutien dans la légalité, dans la loi. C'est une personne, en fait, qui apporte un conseil, hein, bon ou mauvais, mais qui, voilà, qui est là pour soutenir. Donc là, on nous dit clairement qu'à partir du moment où elle est montée dans ce véhicule, elle aurait déjà eu besoin d'une grande aide de la part des inspecteurs, des juges et de la police. Donc son sort a été scellé vraiment au moment de sa montée dans le véhicule. Je vais ranger ce jeu, je vais essayer avec un autre parce que j'ai vraiment des doutes et en même temps, c'est compliqué de parler de certitude. Je vais sûrement pas m'amuser à faire ça. Ça serait, encore une fois, je ne suis pas du tout sûre de moi dans tout ça parce que si je pouvais l'être, eh ben, je pense que j'essaierais de proposer mes services à la police. J'aimerais vraiment arriver à avoir des réponses comme certaines peuvent les avoir de manière très limpide avec des flashs et tout. Et concernant Lina, j'ai vraiment des difficultés. J'ai des gros ressentis, mais j'ai absolument pas d'image. J'ai rien qui me vient en tête. J'ai que cette voiture bleue sombre avec pour moi deux portes. Je vois pas de porte à l'arrière. Et pour moi, ça serait plutôt une voiture. Je vois beaucoup le bas de la voiture en fait. Sur la chaussée, je vois les roues. C'est pas une voiture récente pour moi. C'est même pas une voiture qui aurait des jantes, si je vois bien. C'est une voiture plutôt avec des enjoliveurs, c'est pour vous dire. Ou alors des jantes bizarres. Mais il y a un truc au niveau des pneus. Vérifiez s'il y a un signe distinctif sur une voiture bleue sombre dans l'entourage de Lina avec des pneus bizarres. Cette voiture, elle est intéressante. Je perçois aussi effectivement quelque chose qui tombe du sac, un papier. Moi j'ai l'impression qu'il y a un papier qui est tombé, une note de frais, un truc bancaire, un papier de chewing-gum, enfin bon. Là où elle est montée dans la voiture, il y a un petit bout de papier qui s'est échappé pour moi, mais ça veut rien dire du tout parce que de toute façon il y a eu du vent, il y a eu de la pluie, il y a eu plein de choses, donc depuis, moi je vois ça, mais c'est vrai que c'est... Pour moi, il y a de la fumée aussi. Je pense que c'est une personne qui fume, qui est fumeur, qui venait de fumer. C'est quelqu'un qui était là, hein, qui attendait. Et vraiment, j'ai cette sensation de... Putain, pardon, excusez-moi du mot. Mais elle va pas se dépêcher. En gros, je l'attends. Qu'est-ce qu'elle fout? Et je sens un trépignement. Alors, je ne sais pas si la personne est sortie de sa voiture pour fumer une cigarette... ou si elle fumait dedans, mais j'ai une odeur forte de tabac qui me vient. Je dirais que c'est du tabac froid, donc je pense que la personne est plutôt allée dehors pour fumer. Après les cris, c'est l'aspirateur. Non, mais classique. C'est difficile du coup de rester en connexion visuelle parce que je vois vraiment plus les choses au niveau du bas. Je ne sais pas pourquoi on me montre beaucoup plus la scène vue d'en bas. Je vois des... Alors, pour moi, elle est montée sciemment. Elle est montée vraiment sciemment dans le véhicule. C'est pas un véhicule haut. Il est plutôt bas. Enfin, plutôt normal, quoi. C'est pas un 4x4, c'est pas une camionnette... Moi, je la vois monter dans une voiture... je ne sais pas pourquoi les gens ont dit gris. Pour moi, elle est bleue. Voilà. Après, elle est même bleue pour moi, même un peu sombre, quoi. Je pense qu'au moment où Lina est montée dans la voiture... Excusez-moi du... Je vous dis ce que je ressens, là. C'est pas du tout avec les cartes. Soit il y a eu tout de suite un acte violent, mais relativement violent,
un coup au niveau du visage pour moi. Je sens un étourdissement en fait, c'est pour ça. Je sens une espèce de bourdonnement et d'assourdissement, comme si j'avais pris un coup. Et que vous voyez, dans les films, parfois on voit les gens quand ils prennent un coup fort, ça siffle dans les oreilles, on est un peu perdu, on a besoin de retrouver ses esprits. Ben, je la sens un peu comme ça, abasourdie. Alors, est-ce qu'elle a en plus eu une nouvelle qui l'a abasourdie? Mais j'ai vraiment la notion d'une perte totale de conscience. Mais pour moi, elle n'est pas descendue du véhicule. En tout cas, vraiment pas tout de suite. J'ai plutôt l'impression de l'avoir appuyée sur la vitre du véhicule, comme endormie, avec le visage douloureux. Je sens plutôt quelqu'un qui conduit de manière vive et qui passe des. Alors, pour moi, il y a l'autoroute, il y a en tout cas une voie rapide. Je ne sais pas si c'est l'autoroute ou une voie rapide, avec un panneau blanc écrit en noir où il y a des noms en français et des noms en allemand. Il y a 1, 2, 3, 4, et ce n'est pas écrit en gros format. C'est comme si c'était des petites sorties d'autoroute ou des petites sorties de nationale, vous voyez. Pour moi, elle est inconsciente dans un véhicule à ce moment-là, Lina. Donc pour moi, Tao, effectivement, ben, il était au téléphone avec la mère de Lina. Après, il a été vu aussi, je crois, sur des caméras de surveillance. Voilà, si vous voulez, il y a un moment donné où matériellement, il y a aussi des éléments qui font penser que c'est compliqué qu'il ait été dans deux endroits en même temps ou qu'il se soit rendu. Ça peut paraître un peu saugrenu. Ce qui me paraît moins saugrenu, c'est que j'ai quand même l'impression pour moi que cette personne le connaît très bien. Alors après, est-ce qu'ils sont en lien, pas en lien? Je sais pas. On va regarder avec tout ce que je tire et tout ce que je dis. Je suis partie loin, je me suis emportée et bah, je suis aussi là pour ça. Hein. C'est comme ça, c'est des moments, ça arrive. J'espère que ça ne vous dérange pas trop et que ça ne vous effraie pas non plus. Donc le 4 de bâton, la reine de coupe. Ouais, on est de nouveau dans les sentiments. Hein. Là, on est dans l'engagement, on est dans une relation plus ou moins longue, quand même, qui en tout cas est une relation qui est censée être pérenne et rassurante. On est dans une relation plutôt officielle aussi, donc c'est plutôt comme une alliance, quoi. La réalisation de projets, alors je ne vais pas parler de mariage, elle a 15 ans, mais bon, en tout cas, c'est une relation stable, on va dire. Et puis derrière, avec cette reine de coupe qui arrive, qui se présente en plus à l'endroit. Eh ben, c'est l'amour inconditionnel, c'est vraiment la douceur, la générosité. On nous parle certainement aussi du tempérament là, de Lina, qui est une personne qui se donnait à fond et qui était appréciée pour sa générosité et son tempérament souriant. C'est quelqu'un qui était apprécié pour ce dynamisme et ses traits de caractère de sensibilité. Parfois aussi, quelqu'un qui a pu être très empathique et se montrer très gentil envers autrui, contrairement à ce que j'ai pu voir sur. Certaines chaînes. Donc là, ici, on est aussi avec la reine de deniers. Donc, on est quand même entouré de beaucoup de femmes hein, sur ces premières cartes. Donc, on peut voir deux femmes plus âgées que Lina aussi ici. Hein. On peut penser peut-être à sa maman et à la maman de Tao, pourquoi pas. En tout cas, cette reine de deniers, c'est plutôt le pragmatisme. Ça représente le confort, la stabilité aussi. Une certaine forme d'attention aux autres et de confort matériel. Donc c'est vrai que ça confirme ben, d'autant plus la carte qui était précédemment portée à notre connaissance avec la reine de coupe. On va regarder les autres cartes qui suivent. La forêt qu'elle traversait. Vous voyez, là j'ai une petite... je vais vous la rapprocher. J'ai une petite fille blonde qui traverse une forêt. Sur cette carte. C'est fou, hein? Les amoureux. Le cavalier d'épée et le 3 de denier.
Non. Alors, cette carte du 2 d'épée que je vous montrais de près, là, qui représente une petite jeune fille blonde au milieu des bois sombres, c'est une carte qui nous indique l'indécision et le refus de choisir. Donc, on reste pour moi ici dans un choix à faire et on voit qu'elle est perdue. C'est une jeune femme qui, pour moi, devait vraiment avoir un doute par rapport à sa situation et qui avait vraiment du mal à prendre ses décisions. Elle refusait un peu de choisir. Et puis, bah, en complément d'information, on a les amoureux. Et là, cette carte des amoureux entrelacés, c'est un choix qui devait être fait par rapport à une relation sentimentale, à une passion, à une alliance avec quelqu'un. Et en fait, elle devait faire le choix du cœur, en fait. Ensuite, on a le cavalier, ce cavalier d'épée qui est représenté, qui vole comme ça sur un condor magique en or. C'est la rapidité, c'est le charisme, c'est la confiance en soi. Mais ça peut aussi être l'arrogance et l'ambition. Donc, dans ce choix cornélien, la personne qui est intervenue est une personne qui a un certain standing, qui fait preuve de charisme et qui est une personne arrogante. Le 3 de denier qui s'ensuit, eh bien, est une information complémentaire, puisqu'ici, c'est une mauvaise collaboration d'équipe. C'est vraiment une mauvaise gestion des choses. On a besoin d'apprendre. C'est quelqu'un qui a des compétences qui ne sont pas vraiment reconnues, qui est plutôt un travailleur indépendant. Donc là, on a vraiment des précisions sur la personne que Lina a rencontrée. La reine d'épée. Le jugement. Je vais toutes les retourner. Le chariot. Un 7 de denier. Un 6 de denier. Et la tour. Ok. Donc nous avons vu la première ligne, on va dire, de cartes. Et ici, nous avons encore une reine, donc la troisième. Celle-ci, reine d'épée, qui nous parle de discernement et d'indépendance. Ici, suite à ce choix qu'elle a dû faire, qu'elle n'avait pas tellement envie de faire, hein, qui lui semblait très cornélien, est intervenue cette personne, ce jeune homme, qui lui a proposé de monter, de l'aider, en tout cas, il s'est montré présent, voire insistant. Lina a fait preuve de discernement et de sagesse. Elle s'est montrée quand même intègre face à cette personne. Malheureusement, eh bien, c'est cela qui a causé sa perte, puisqu'ici, comme eh bien, elle a manqué d'écoute, enfin, on va dire que la personne qui était face à elle n'était pas capable d'entendre ce message, il l'a un peu insisté lourdement. C'est une personne qui s'est montrée vraiment pénible. Et ici, eh bien, Lina ne s'est pas écoutée. Elle savait que ce n'était pas une très bonne idée de monter avec lui, même si elle le connaissait. Elle n'avait pas peur, mais elle savait que ce n'était pas une bonne idée de le faire. Et en même temps, là, j'ai vraiment un manque d'estime de soi et de vocation contrariée. Ouais, là, pour moi, il y a vraiment quelque chose avec ces cartes qui nous parlent d'un mauvais présage. Le jugement renversé, eh ben, c'est comme elle ne s'est pas écoutée, en fait. C'est quelqu'un, je pense, qui manquait de confiance en elle, Lina. C'est quelqu'un qui savait pourtant qu'elle avait raison, mais qui ne s'écoutait pas. Donc là, elle a pris la mauvaise décision. Et du coup, eh bien, malheureusement, on s'en est suivi ici. La carte du chariot, elle est montée dans cette voiture. Elle a pris la route avec la mauvaise personne. Elle ne s'est pas fait confiance. Elle ne s'est pas écoutée. Et du coup, eh bien, ici, il y a eu un déplacement. C'est ce que je vous dis, hein. Pour moi, il y a eu un voyage et pas forcément à côté, à côté. Je ne dis pas qu'elle est si loin que ça de son domicile, mais en tout cas, je pense que le secteur des recherches, très proche du lieu de disparition, c'est pas du tout le bon endroit pour moi. Et depuis le départ, je suis convaincue qu'ils l'ont ou il l'a emmené plus loin. Et d'ailleurs, le 7 de denier renversé parle d'impatience et de passage à l'action. Donc vous voyez bien, une fois que cette personne a eu Lina dans son véhicule, eh bien il est passé à l'action tout de suite. C'est vraiment, ça se confirme à chaque tirage. Ensuite, on a le 6 de denier renversé aussi. Et là, eh bien, elle a demandé de l'aide, elle a supplié son aide.
Et c'est une personne qui a agi pour de l'argent par avarice, par égoïsme. Et c'est quelqu'un qui est mauvais, qui ne sait pas faire preuve de générosité et je pense qu'il n'a aucune empathie non plus. Donc Lina a demandé à être ramenée chez elle. Je pense qu'elle a été consciente au moins temporairement ou peut-être même un certain temps. En tout cas, cette personne a eu des échanges avec elle et elle lui a demandé de rentrer. Je suis vraiment désolée pour toutes ces informations qui sont pas très chouettes. Mais bon, j'espère que ça peut aider aussi peut-être. Je sais pas moi ce qui se passe au niveau de l'enquête, bien sûr. Mais en tout cas, je donne ce tirage et j'espère que ça pourra servir. Et ici, eh bien, avec la tour à l'envers, on nous parle d'enfermement. On nous parle de déni. Et de reconstruire éventuellement les choses sur des nouvelles bases. Je pense ici vraiment qu'il y a peut-être eu un amoureux éconduit ou quelqu'un qui, vous savez, hein, ça existe, l'érotomanie, c'est des gens qui s'inventent des relations avec eux-mêmes. Hein. Avec quelqu'un, pardon, et puis qui croit que l'autre personne est tout autant attachée à lui ou à elle, alors que pas du tout. Il y a des émissions là-dessus, c'est vraiment c'est choquant. Et c'est vrai que c'est peut-être aussi ce genre de personne. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a repéré Lina, qui dans sa tête s'est inventé une relation dans laquelle ils auraient été ensemble. Je ne sais pas. Il faudrait se renseigner. Probablement de toute façon que la police et la justice a déjà tous ce genre d'éléments en main. Je n'en doute pas un instant. Hein. Je pense que, bien sûr, avec toute humilité, ce tirage ne changera peut-être pas effectivement la face des choses. Mais j'ai ce besoin, quand j'ai ces ressentis, de pouvoir aussi effectuer des tirages. Et comme je sais que c'est une affaire qui vous intéresse beaucoup, ben, je me dis qu'autant essayer de partager tout ça au maximum. Voilà, c'était une vidéo qui n'était pas forcément prévue. J'ai quand même envie de rajouter un autre tirage. J'ai plein de questions, j'ai plein de trucs en tête aujourd'hui avec elle. Ça m'ennuie un peu. Mais bon, si ça peut. On va voir sur le lieu. Peut-être avec ce jeu. Est-ce que ces cartes peuvent donner des précisions? Je ne les connais encore pas du tout toutes. Il y en a énormément. Avec ce jeu, est-ce qu'on peut avoir plus d'infos? Je voudrais une information de lieu pour Lina. Ah, alors déjà on a une information sur les ennemis. Les appuis et le support. On est vraiment dans l'ambivalence, hein. C'est fou. L'appui des ennemis. Ou les ennemis en appui. En tout cas, pour moi, on nous montre ici qu'elle a pu vraiment être... Au-delà du message écrit, hein, c'est peut-être quelqu'un qui la surveille, ça, vu que c'est un aigle, là, il y a vraiment le côté pas cool. Un lieu pour Lina, s'il vous plaît. Encore un oiseau avec la maladie. C'est un vautour. Hein. Donc là, on est vraiment dans, vous voyez, le vautour, quoi, le vautour et l'aigle royal. Ok. On est dans l'ambivalence la plus totale. Hein. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui joue un double jeu, qu'elle connaît et qui a ce double visage. C'est quand même incroyable d'avoir de l'appui de ses ennemis, la maladie et les présents. Vous voyez, à chaque fois, c'est complètement antinomique. Je vais en prendre encore des autres. Le despotisme. Elle était coulée, le procès. La beauté.
La réussite. La nativité. Ouais. Vous voyez, pour moi, dans ces cartes, il y a quand même des symboles qui sont présents et qui sont redondants, notamment ces oiseaux, l'aigle, ça ressort beaucoup. Est-ce que peut-être il y a une symbolique par rapport à un tatouage de quelqu'un sur place? Est-ce que ça peut être le symbole aussi de l'animal qui domine la situation et qui analyse tout, qui voit tout? Qui est aussi quasiment sans aucun prédateur. Voilà, on peut voir ce côté-là aussi, cette toute-puissance, l'aigle royal, ça peut aussi être un symbole, hein, puisque je trouve ici quand même, bon, alors il y a le procès, c'est rassurant. Pour moi, le despotisme, on est clairement face à quelqu'un qui la connaît et qui a complètement abusé de sa confiance. On retourne un peu là-dessus, hein. Et vous voyez, il y a quand même des choses qui vont arriver où on va apprendre des choses. On va avoir le succès et on va avoir cette nativité qui correspond pour moi. On saura ce qui s'est passé. On saura ce qui s'est passé pour Lina. Bon, alors peu importe, hein, là ça paraît très long, mais j'imagine pour la famille. La première carte qui est ressortie, c'est Jupiter qui la gouverne. Et ici, c'est une carte du coup bah, d'équilibre plutôt, hein, une carte qui parle d'abondance. C'est une planète qui représente l'autorité aussi et l'épanouissement. Donc un tirage qui commence par cette carte-là indique que c'est un tirage dans une phase normalement de succès, de réalisation des projets. Mais derrière, on a tout de suite la carte qui arrive, c'est Mars, et là c'est les combats, l'impulsivité, les tensions, la dispute, vous voyez tout ce qui est conflit, violence, Mars, quoi. Donc un tirage qui commence par ces deux opposés, c'est déjà vraiment une dualité intérieure. Donc il y avait déjà un combat, je pense, en elle-même. Et ici, cette carte donc qui est symbolisée par Mars, hein, pour les ennemis, c'est vraiment plutôt une façon de se mesurer aux autres et se battre, se défendre, se protéger soi-même. Donc je pense vraiment qu'on nous montre ici que la personne qui s'est présentée à Lina, eh bien, lui a fait du mal. Et elle a dû se défendre et se protéger. Maintenant, on arrive sur la carte de la maladie, qui, elle, est une carte lunaire. Et cette carte de lune symbolise le côté féminin, les émotions, et aussi un repli sur le psychisme, tout ce qui est lié à la nuit, hein, comme on peut le voir ici. Ça nous met face à nos propres ombres pour arriver à nous combattre, en fait, hein, dans ce qu'on a de plus obscur en nous. Parfois dans ce qui nous freine aussi dans notre quotidien. Donc là, c'est vraiment une période pour elle aussi, où les émotions, eh bien, sont vraiment à vif. Elle avait, du fait de ces deux ambivalences qui l'habitaient, eh bien, elle n'allait pas forcément super bien comme ça a pu être présenté aux médias. Après, on a le soleil, hein, donc on est vraiment toujours dans l'ambivalence. On a la lune, le soleil, voilà. Ici, le soleil, c'est plutôt la vie, la volonté d'énergie. Et puis, ça rayonne, ça réchauffe, c'est le lien avec le feu. Et du coup, ça indique normalement la conscience, l'envie d'épanouissement, plein de projets de vie. Et vous voyez ici, les choses sont un cadeau. Alors, c'est comme si on nous disait que Lina, en elle, avait déjà, à son jeune âge, comme un choix à faire. Elle est arrivée un peu à la croisée des chemins, sans mauvais jeu de mots, bon. Et ça commençait à lui peser vraiment. Elle était très contente, je pense, malgré tout, ce jour-là, la carte des cadeaux, tout ce projet de journée lui faisait vraiment excessivement plaisir. Mais, alors je n'accuse personne, encore une fois, le despotisme qui est intervenu en dit long. Et malheureusement, à cause de l'attitude. On va dire que de la tournure qu'ont pris les choses face à cette journée qui devait être un peu idéale, eh bien malheureusement, ça a commencé, bon bah voilà, à mal se passer, hein, puisqu'on retourne sur Mars et ici, avec la violence et les conflits et le despotisme qui conduiront par la suite au procès. Au procès qui va encore être un procès houleux, où il va falloir vraiment se défendre. Ici, on est quand même un petit peu rassuré par le côté Jupiter, ici, qui va nous dire que le procès va apporter la justice et qu'il y aura
des belles choses qui vont ressortir entre guillemets, puisque normalement avec ces cartes-là, on obtient plutôt la justice pour Lina. Et des choses, en tout cas, se sauront visiblement, se sauront dans les moments à venir. Alors, on peut aussi regarder au niveau de la nativité ces symboles qui sont représentés. On est face à l'astrologie, on est face aux signes astro. Et cette carte de nativité qui représente les signes astrologiques, donc une année complète. Pour moi, on nous indique un petit peu peut-être aussi à travers cette carte, soit le délai dans lequel le procès va avoir lieu, et en tout cas, pour moi, la réussite sera effective sous un an. C'est ce qu'on nous montre ici. On peut penser aussi, alors là, il y a tous les signes, donc 12. Maintenant, si on reste sur de la nativité, ça peut être 9 mois, donc je dirais qu'entre 9 et 12 mois, on aura les informations sur ce qui s'est passé concernant Lina. Voilà, je vous souhaite à tous et toutes un très bon samedi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.